Salut mes petites oranges, et on se retrouve pour une vidéo sur Roblox, et pas que Roblox, hein. Parce que en fait c'est la vidéo spéciale anniversaire, parce que oui, je viens d'avoir 27 ans, oui je suis vieille, enfin, pour une grosse partie de mes abonnés je suis plutôt vieille, parce que je sais que vous êtes très jeune, parce que voilà, c'est plutôt évident. Donc, comme vous le savez, comme l'an dernier, en tout cas si vous me connaissez depuis plus longtemps que ça, voilà, vous savez que je fais une vidéo spéciale où j'ouvre les cases de calendrier du jour de mon anniversaire qui est le 9 décembre. Et le premier jeu sera Club Roblox, un jeu que j'ai jamais fait en vidéo d'ailleurs. Donc je vais déjà commencer sérieusement cette vidéo. Ah non, j'ai oublié de vous prévenir que j'ai un bébé. Que j'ai laissé mourir de faim d'ailleurs, bon excusez-moi, c'est vrai que c'était pas prévu, mais la pauvre petite, c'est vrai que je m'en occupe pas souvent parce qu'en fait je joue pas beaucoup à ce jeu, je me connecte juste pour dire de faire les activités, mais bon, mais c'est vrai qu'elle a besoin toujours de plusieurs soins, et c'est vrai que, bon, au moins comme ça vous savez que j'ai un bébé dans le jeu, mais oui parce que c'est une nouveauté de ce jeu là en fait, ah c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à raconter, ah ça y est elle va mieux. Je vais la remettre dans son... Je vais la remettre là-dedans. Ouais, je sais, je suis sympa avec elle. Hein. Allez, hop, voilà. Bon, maintenant, je vais commencer réellement cette vidéo. Donc, il faut savoir que avant d'ouvrir le cadeau... Oui, parce que c'est plutôt un cadeau plutôt qu'un calendrier, mais bon, c'est un peu le même principe. Il faut d'abord attraper 30 flocons de neige. Voilà, je me suis esquipé de mon skateboard. J'espère que ça n'a pas trop lagué, parce que j'ai vu que ça laguait un petit peu. Je sais pas si c'est le fait que j'enregistre... Mais en gros, je dois capturer les flocons de neige qui sont un petit peu partout comme ça. Et quand j'arrive à 30, je vais pouvoir ouvrir mon cadeau. A few moments later. Voilà, c'est bon, je vais enfin pouvoir ouvrir le cadeau. Donc vous voyez, c'est un petit peu chiant, mais bon, au moins il y a un truc à faire, vous me direz. C'est pas juste ouvrir et je suis bête, c'est par là. Le 9e, c'est le cadeau rouge, forcément il y a tout le monde dessus, hein, vu que c'est aujourd'hui. Et pour mon anniversaire, j'ai un bonhomme de neige. Ok, pourquoi pas. Alors, est-ce qu'il s'achète? Je crois que c'est un... D'accord, je crois que c'est un item pour ma maison. Ah voilà, ça fait du bien d'être dans un endroit où on lag pas. Ouais, parce que je crois que c'est du fait qu'il y avait du monde que ça laguait un peu. Mais en gros, je crois que c'est... Alors, je dois aller voir dans les items de Noël. Et voilà, vous voyez, j'ai... Je l'ai acheté juste pour dire de le mettre parce que c'est quand même celui de mon anniversaire. Il va pas du tout avec mon jardin. Enfin, si, il y a des petits flocons qui tombent, ce que je vois, mais il neige pas vraiment, quoi. Bon, ben, en tout cas, j'ai un Olaf maintenant. Donc, maintenant que j'ai montré ce cadeau, on va passer au jeu suivant. Et nous voici sur Royal Height. Où là aussi, ça lag un peu. Bon, je crois que c'est clairement mon PC qui va pas très bien, j'ai l'impression. Ou alors c'est Roblox, je sais pas. Mais dans tous les cas, c'est le dernier sur Roblox, hein, bien évidemment. Parce que j'ai oublié de préciser au début, je crois qu'il fallait que c'était 6 jeux au lieu de 4. Dont un que j'ai pas pu, que je peux pas faire de l'an dernier, tout simplement parce que... Adopt Me ne fait plus de cadeau de calendrier, voilà, bon, peu importe. On va prendre le cadeau, oui, je l'ai pris de mon deuxième compte. Parce qu'en fait, dans ce jeu-là, donc bien sûr, je marquais joyeux anniversaire. Pour avoir des cadeaux, il faut que ce soit un ami qui vous envoie un message pour avoir le cadeau. Et j'ai eu... Ouais, d'accord, il n'est pas terrible, hein. C'est un collier avec des boules, d'accord. Sinon, les cadeaux d'avant, c'était déjà un petit peu mieux, je veux dire, même le petit sac renne, il est trop mignon. Je me suis retrouvé à l'avoir en dos parce qu'il y a vraiment une amie à moi qui avait aussi envoyé un message. Alors lui, il le montre pas, mais je l'ai eu quand même parce qu'ils l'ont donné dans un coffre. Car beaucoup de personnes l'ont zappé à cause que la mise à jour est arrivée à beaucoup trop tard, en fait. Mais sinon, à part ça, bon, des fois, je vais là pour essayer d'avoir le halo. Mais bon, je sais pas si je vais pas le faire en vidéo, mais de toute façon, il y a peu de chances de l'avoir parce que j'ai jamais eu de halo. Parce que c'est extrêmement compliqué à avoir. Ce qui fait qu'on va déjà passer au jeu suivant. Donc nous voici sur Animal Jam, la version classique. Donc là on va pouvoir ouvrir le cadeau neuf. Alors déjà il y a un diamant. Et une perruque, ok, j'ai gagné une perruque. L'an dernier c'était une veste. Enfin ouais. Là j'ai gagné une perruque. Et oui, ma louve a changé de couleur entre temps. Bon, en un an en même temps. Mais c'est toujours une louve en même temps. Donc voilà, c'est ce truc là. Donc, c'est n'importe quoi. Je vais quand même remettre mes lunettes, mais bon... Voilà, je me retrouve dans la tanière pour vous montrer. C'est comme ma tanière pour Noël, voilà, ça ressemble à ça. J'avais juste envie de la montrer avec un tableau que j'ai fait il y a déjà 2-3 années.
avec un petit Goopix d'Alola, voilà, je trouvais que c'était mignon. Donc forcément, j'ai dû attendre d'être membre pour voir ce tableau, mais ça fait un petit moment maintenant que je l'avais fait. Et il faut aussi que je récolte ça, parce que oui, il y a aussi ça à récolter. Hein. Bon voilà, maintenant on va se retrouver au jeu suivant. Et ici, on se retrouve sur le Animal Jam, la version mobile, tablette et Steam, voilà. Bon voilà, c'est l'autre version en gros. Donc ici, je vais ouvrir aussi pour le calendrier. Bon là, je sais pas si on peut ouvrir ceux d'avant si on rate, mais c'est plus du tout le même système. Vous voyez, c'est plus du tout pareil. Donc on va ouvrir le 9. Et j'ai eu... Oh, un magasin. Ouais, je pense que c'est juste une petite maquette, parce que t'imagines, ça aurait été une tanière, ça aurait été n'importe quoi. Mais c'est sympa, ouais. C'est juste un petit village comme ça. Ouais, voilà, des fois il fait ça, donc bien sûr, comme je suis pas membre, je peux pas prendre ça, mais ça je peux. Mais ça, c'est juste des gemmes, logiquement. Ouais, voilà, vous voyez, c'est... parfois ils te donnent des gemmes sur la case d'avant. Voilà, c'est sympa de leur part. Donc, on peut remarquer carrément que depuis un an, j'ai changé de... de club, hein, de meute pour être plus précis. Bon, c'est un petit peu normal, en même temps, en un an, l'autre meute, je sais même pas si elle existe encore, mais en gros, je suis sur les Los Avocados. Et cette fois-ci, malgré que je suis pas membre, parce que c'est une nouveauté de la de ce mois de décembre, on peut enfin faire les courses et parler avec les autres personnes, vous voyez. Donc voilà, c'est juste un château. On peut passer à travers d'ailleurs, bon, au moins ça bloque pas, parce que des fois, il y a des meubles, vous voyez, on peut pas passer à travers hein, comme le canapé. Mais voilà, ça ressemble à ça, pourquoi pas. Donc maintenant, on va se retrouver pour le jeu suivant. Et maintenant, on se retrouve sur Movistar Planet. Donc le 9, il est en bas. Maintenant que j'y repense, je crois que c'était toujours dans le même ordre, en fait, les cases. Parce que dans mes souvenirs, c'était déjà là l'an dernier. Bon, c'est possible. Bon, en tout cas, on va ouvrir la case de mon anniversaire. Ah, c'est quoi? C'est... je crois que c'est pour mettre dans la chambre, en fait. Bon, ce qui fait que j'aurai pas une grosse surprise non plus sur l'autre version. Ouais, parce qu'en fait, c'est toujours le même cadeau, mais sur l'autre version, donc le 2, l'avantage que quand t'as un vêtement, tu peux changer la couleur, en fait, c'est juste ça. Donc là, je vais avoir la roue. Donc là, je vais gagner beaucoup plus, vu que je suis sur la version téléchargeable. Forcément, pas trop le choix. Ah bah, j'ai le plus grand nombre, c'est cool. Donc je vais en gagner. Bah là, je gagne le double, je crois, c'est ce qu'ils disent. Lance la roue de sécurité une fois par jour. Ouais, il y a une roue spéciale aussi. Il est là, en fait. Donc là, je suis niveau 26. C'est vrai que l'an dernier, si je dis pas de bêtises, j'étais niveau 18, hein, parce que j'avais regardé la vidéo avant. Enfin, j'ai plutôt regardé hier pour me donner une idée de ce qui se passait. Et vous voyez, on peut faire ça une fois gratuitement tous les jours, grâce à la version qu'on télécharge. Hein. Donc profitez-en, comme ça, vous gagnez un petit peu de fame. La première fois que je l'ai testé, j'ai eu les 6000. 6000, c'est le plus haut. Là, je crois que... non, j'ai le plus bas. Pour mon anniversaire, merci. C'est pas grave, 500, c'était déjà bien aussi. Allez, hop, on me les donne, merci. Ce qui fait qu'on va passer au dernier jeu, et vous savez déjà c'est lequel, de toute façon. Et on se retrouve maintenant sur Movistar Planet 2. Oui, j'ai failli dire une connerie. Donc là, je voulais juste montrer quelqu'un qui m'avait dit joyeux anniversaire, donc je le remercie, voilà. Bon, là, c'est un petit détail. Donc, maintenant, on va pouvoir ouvrir le cadeau qui est juste ici. Donc les cadeaux en fait ils sont un peu éparpillés partout sur les maps en fait. Et le et celui de mon anniversaire était à la plage qui est pleine de neige d'ailleurs. Donc on va l'ouvrir quand même. Et c'est... hein? Ah c'est un tatouage! Oh j'avais pas capté en fait. Mais après on peut changer la couleur mais... je sais pas si... ouais je vais pas changer la couleur parce que ça va être trop chiant. Il y a trop de couleurs. Je vais le garder comme ça mais c'est un peu rigolo, c'est un tatouage alors... je remarque qu'il y a des gens qui s'amusent à faire des trucs rigolos. Je vais voir si ça marche, attendez. Je vais aller sur la glace. Ah ouais, on glisse. Ouais, bon, sinon je ressemble à ça sur le 2. Ouais. Bon, c'est un petit look que j'avais fait comme ça il y a un petit moment. Mais hop, et hop, on glisse quand on veut avancer, voilà. En fait, on n'arrive pas à avancer, en fait. Ah oui, d'accord, c'est chaud. Hein. Bon, à savoir que c'est le seul jeu que j'ai fait sur mobile. Ouais, on peut voir les autres accessoires. Par exemple, j'ai changé le foulard et la couleur du pull. Mais le truc que j'ai eu, c'était carrément un tatouage, mais pour le mettre, faut que je retire ça. Et le tatouage, ça doit être là-dedans. Enfin, si je le retrouve... ah non, je crois que c'est dans les corps, c'est pas dans beauté. Ah, je sais même plus. Non, parce qu'un tatouage, ouais, c'est là, c'est dans ça. Voilà, je vais le mettre, donc ça fait comme ça. Ouais, c'est vrai que c'était plus simple de le regarder de plus près, mais de loin, ça faisait comme ça, voilà. C'est juste un petit bonhomme en pain d'épices. Alors je vais pas le garder parce que vu le vêtement que je mets, ça va pas servir à grand chose. Parce que
que sinon ça va tout cacher. Donc voilà, c'était tout. Ce qui fait que la vidéo se termine ici. Donc j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Et n'oubliez pas de me souhaiter un joyeux anniversaire dans les commentaires. Et profitez-en pour aller sur la chaîne de Chouchou Licorne, qui est la chaîne de Flora. Car c'est aussi son anniversaire. Elle, en revanche, elle a eu 9 ans. Ah, ça grandit vite les enfants. Hein. Et si vous pouvez mettre dans les commentaires d'une de ses vidéos pour lui dire joyeux anniversaire, ce serait gentil aussi de votre part. Donc, je vous dis au revoir et à bientôt.